Bonsoir. Alors bonsoir le gal, bonsoir Yuyu Ace Noctis. Donc j'ai préparé les choses, j'ai accepté les demandes d'amis. J'ai upgrade le jeu là pour avoir l'accès anticipé à Shadowbringer, même si j'y suis encore très loin. Hop. Si vous êtes sur lui, soit n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, hop. Alors pour ce soir, je ne sais pas ce qu'on va vraiment faire, puisque normalement c'était prévu pour demain et j'aurais réfléchi dans l'après-midi. Peut-être des donjons. Bonsoir King Battle. Et puis un petit peu de d'épopée. En tout cas voilà, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais juste aller terminer la quête des méandres de Bahamut. Il m'en restait plus qu'une. Hein. Mais bon, la dernière fois j'étais à moitié claquée. Il était pas loin de 4h au matin. Il y avait près de 8 heures de stream dans les jambes. Ils m'ont pris de 2 heures pour comprendre comment on bat un boss. C'est assez marrant. Alors, descends de là, toi. Alors, on en a terminé ici. Ok, il doit sûrement avoir un nouveau. Ok. Coucou! Alors, si vous voulez après que je pars avec les groupes, là, faire un groupe, pas de soucis. Hein. Je pense que même ça sera mieux. Vu que c'est juste ici, juste à côté, je pourrais récupérer mes bonus. Et puis après, voilà, on sera prêt.
Non mais oh là, ça ne va pas. Alors bonsoir gamers et merci pour le host, re le gal, bonsoir Morden. C'est quoi cette robe? Un mélange de Lulu et de l'impératrice de FF8. Oh ça va hein. On a eu bon, la bonne sœur au début, après on a eu la pouilleuse aussi pendant un petit moment. Puis maintenant voilà quoi, je commence à avoir la classe. Pour se faire de l'argent, toi-même tu le sais. Oh c'est même pas vrai en plus. Elle drague un moment en plus. Ça c'est même pas vrai. La version Windows et la version Steam de Shadowbringer n'est pas compatible. Ah. C'est n'importe quoi. En tout cas, moi je vais récupérer mes petits achats. Alors ça c'est les bonus de précommande de Shadowbringer. Ok, ça c'est pris. Ça c'est un petit achat. Hein. Deuxième petit achat. Oui, exprimé. Une petite emote. Et la tenue de Minfilia. Voilà. Bon, même si j'ai pas encore tout acheté. Hein. Elle parle enfin. Bah oui, je me mute pendant les petites cinématiques. Intéressée par ton mission aléatoire gain de niveau. Ouais. Je pensais à You l'allume sinon. Non, pas encore, c'est pas encore arrivé ça. Je l'ai pas encore eu. Hop. Ok. Ah, et regardez qui c'est qui est là, hein? On va pouvoir tester ça. Non, c'était quoi? Voilà, c'était ça. Oh, c'est mignon. Elle allume quoi, une chandelle? Blague annulée. Pas encore. Oh, la coquine. Oh, ça y est, c'est parti. Oui, ensuite, est-ce que j'ai rien oublié? Non, j'ai les tenues pour les mirages. Normalement, j'ai pas un truc là qui me permet de gagner de l'XP. Fibre, c'est pas ça. Il semblait que j'avais un objet. Sauf que les enfants, c'est pas légal. Si tu le dis. Et ça ressemble à quoi du fait la petite mascotte que j'ai récupérée là oh, c'est bien moche. Hein. C'est moche mais bon. Ouais, il est affreux quoi. Il ressemble à rien. Légal comme ton pseudo. Non mais il a commencé à m'embêter. Maintenant ben, je vais écorcher son pseudo. C'est légal, hein? Alors, ceci dit, je l'ai toujours appelé légal, ça va. À moins que dans FF, ça le soit. Ah, tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon, à part Morden, elle parlait aussi de faire des donjons. La liste d'amis. Faudra me dire dans le chat si je fais le groupe ou pas. Alors. Je vous invite. Ok, c'est quoi ta race pour savoir? C'est une Yur. Bah après, je peux faire aussi quelque chose de bien. Je vais voir si j'ai le temps. Donc déjà, c'est pas là. C'est dans le personnage.
puisque j'ai normalement j'ai la tenue de Minfilia. Est-ce que je peux le faire? J'en ai plein de trucs. Quoique non, je vais mettre celle-ci. Hop. Mirage. Hop. Noble oriental, voilà. Voilà, un peu plus stylé. Sorcière. Bah, venant de toi, je le prends comme un compliment. L'automode a check pour pas que ce soit un com raciste MDR. Faut que vous quittiez l'équipe. Si tu veux, on peut t'inviter, hein. Est-ce que je peux ajouter liste d'amis? Ok. Ok, on va refaire le groupe du fait, Morden. Ouais, bon, au début, c'est chaotique, c'est normal. Hein, sinon, ça serait pas le stream. Quitter l'équipe. Est-ce que tu nous as tous, King Battle? Le stick, si je joue plus à FF14, je vois qu'en ce moment, il est sur Nier. Ben non, il n'a pas l'air. Il m'avait dit qu'il était hypé pour le reprendre, mais j'ai pas eu de nouvelles, donc je suppose que peut-être qu'il le reprendra peut-être après Nier. Enfin, je ne sais pas. Voilà, on a une petite équipe. Non mais c'est quoi ton oiseau dépressif là? Ouais, on peut faire un donjon gain d'XP pour commencer. Histoire de bien se remettre dans le mood. Histoire de bien serpiller un petit peu. Et c'est parti. C'est bien qu'on n'a pas à attendre. Une ours à peu près comme les humains. En même temps, tous les gens connaissent pas la vérité sur ce qui est arrivé au groupe de la bonne sœur. En fait, ils ont passé trop de temps à la taverne. Je peux pas en dire plus parce que voilà, c'est des dossiers. Un dossier sensible. On est indulgent avec tout le monde. Hein. C'est plutôt bon courage pour me supporter. Il y avait quelque chose à actionner, non? Ah, c'est un sacré dossier, hein. Le moment de la taverne, voilà, tout le monde s'est mis à boire. Ils sont tous partis dans leur délire, je me suis réveillée, il n'y avait plus personne. Bon, ok, j'ai dû en plus payer, quoi.
Mais bon, voilà, on n'y peut rien, hein. C'est la taverne. Donc j'ai erré aussi dans le désert le temps de chasser des monstres. Et on m'a repêché, voilà, comme ça. Voilà le dossier. Elle s'est réveillée avec plein de sang sur elle. Ça aurait pu. Hop. Alors. Mais non. Voilà, j'ai juste une grosse faim. Tout le monde le sait, je suis un petit peu cannibale sur les bords. Alors lui, je sais plus du tout comment on le combat. Hein. Ça remonte très très loin. C'est ce soit H Sombra de nouveau dans les bretzels. Oh oui. Mais bon, à la place, je fais maintenant du troc de mascotte. Hein. Et du troc, pas encore monture, hein, mais de mascotte. Et je serpille aussi les coffres au trésor et tout. Ça, ça doit pas être intéressant. Oh, j'en veux pas. Non, maintenant, tant que ça a pu des bons donjons, c'est bon, je laisse. Hein. Là, je m'en souvenais plus, par contre. Ouais, on peut dire ça comme ça. En un peu moins doué, quoi. Tu sais qu'au dernier stream, il m'a fallu près d'une bonne heure et demie pour comprendre comment on affronte la P1 d'un boss. Pour te dire, c'était vraiment folklore. Hein. Mais c'était un bon moment. Et j'avais peur pour le dernier stream qui serait fait un petit peu, on va dire, strike. Hein, parce qu'il y avait la musique Answer pour le combat de Bahamut. Et en fin de compte, ça a passé nickel. En même temps, je l'aurais eu un petit peu mauvaise, quoi, près de 8 heures de stream, juste pour 5 minutes, quoi, même pas. De fiole d'éther. Ça peut toujours servir. Allez, c'est parti.
Oui, forcément, le ciblage. Mais non, en fait, le gars, c'est dans le jeu. C'est dans le jeu, en fait, t'as la chanson là qui s'enclenche quand tu bats, en fait, enfin, quand tu affrontes le boss. Et j'avais un peu peur. Puis en fait, compte, non, ça a passé nickel, quoi. En même temps, c'est pas comme si c'était un stream où on diffusait pendant 4 heures. Enfin, ouais, 4 bonnes heures le thème, quoi. Tu peux me taper, ça me fait absolument rien. Alors. Ouais, c'est vrai, bon, j'aurais rien eu, mais bon. On ne sait jamais. Je vais même pas échanger des points de vie contre des points de magie, quoi. Voilà. Dire qu'en temps normal, quand tu passes dans une zone comme ça, bah tu les flingues tous en un coup. C'est vraiment honteux. Hop. Attendez, on arrive. Voilà. Voilà. Hop. Passons là, on peut pas encore passer. Toujours pas envie de faire la demande d'affiliation. Non. Vraiment pas envie.
Mais pour le moment, tu vois, j'aime bien ma chaîne La Comalé, donc je sais pas qu'est-ce que je gagnerais de plus en fait à accepter de l'affiliation Twitch partenaire. Je pèse encore les pour et le contre, mais pour le moment, je laisse comme ça. Parce que des fois, là, je vais être dans le mood à faire plein de streams et tout, et il se peut que je vais, pendant un temps, pas faire de stream pendant 3-4 mois, quoi. Donc Je vois. La possibilité d'avoir des émotes et de la thune. Ouais, mais des émotes, j'en ai déjà pas mal, quoi, par défaut. Puis étant une mouise pour faire des émotes, voilà, quoi. Après, oui, t'as la possibilité, voilà, de te faire masse thune. Je me sens pas concernée. Non, presque pas, tu vois. Après, tu streams un peu plus souvent que moi, le gars aussi. Là, c'est juste que j'ai relancé FF14, c'est pour ça. Sinon, les streams, voilà, c'était vraiment une fois par semaine et de temps en temps. Allez, rabouler les Twitch Prime. Tu devrais faire une vidéo juste avant de lancer ton stream ou bien même pendant les pubs. Connaissez-vous Twitch Prime? Non, j'en veux pas. Ah, lui, c'était une plaie. Ah, c'est gentil, en plus, Mardane, elle nous encourage. Et ouais, j'ai fait un stream mardi dernier parce que c'était férié, mais je stream quasi plus. Oui, mais après, quand tu vas avoir tes vacances et tout, tu vas refaire des streams. Moi, là, je vais juste faire... J'ai le marathon Resident Evil qui va reprendre. Bon, je le fais en stream. Et j'ai que FF14 après en stream, hein, sinon il n'y a pas d'autres jeux que c'est prévu en stream. Donc peut-être après que j'ai terminé FF14, je vais disparaître de Twitch. À moins que voilà quoi. J'aurais 2 semaines de vac avec la formation en août, pardon. Ah, dur. Hop. J'ai presque plus le temps de jouer, sauf Tetris 99 sur mes pauses de midi, mais c'est tout. Est-ce que c'est de plus en plus vénère, Tetris? J'ai vu 2-3 streams là où ça ne rigolait pas, quoi. C'est chiant, on peut pas honorer un équipier. Oh, c'est dommage. Je ne suis plus vénère aussi de mon côté, donc ça va, je trouve. Ah, ok. Alors, maintenant, que fait-on? Bonne question.
Et ici, on n'a plus rien à faire. J'ai rendu la quête de Bahamut. Il n'y a pas d'autres points d'actifs, du coup, ça dépend de vous. Oui, on peut faire l'épopée. Noctis, il y a quel niveau? Pour savoir à peu près. Si là, c'est sa classe de base ou... Niveau 31 maintenant. Je regarde un truc. Hein. Là, en fait, il n'y a que les gains de niveau. Faut qu'elle continue l'épopée aussi. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer l'épopée de chaque côté. Moi, j'ai 2-3 quêtes à rendre. Et il faut... Ah, j'ai pas vu. Ouais, ok, pas de soucis, Marden. Ça va trop vite, ça va pas. Il faut qu'elle fasse les deux levels 30, là. Enquête ? Opération de guild level. C'est quoi ça les opérations de guild? Je crois pas que j'ai déjà fait d'opération de guild, hein, donc je sais pas. Après un donjon. Il n'y a pas. Ah les tutos. Là non, je regarde juste qu'est-ce qu'il y a en outil de mission. Ouais, je les ai pas débloqués. J'ai encore ça aussi à aller chercher. Faudra que je vais les débloquer en fait. Là j'ai 2-3 trucs aussi à faire de toute manière niveau épopée. Alors là je dois aller où? Méridional. Hop. Et en plus faut payer, j'ai oublié ça. Au pire, ouais c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'avancer chacun de notre côté pour l'épopée. En fait, ce serait bien que... de débloquer soit des donjons. Ou après, on peut refaire aussi un gain de niveau, quoi. Parce qu'un gain de niveau, ça peut quand rapporter beaucoup sur son... Enfin, au stade où elle en est. Je ne m'appelle pas Yuna, j'ai pas mal de top 1 maintenant. Une guilde, c'est quoi? Ça se mange? Non, parce que j'avais un groupe avant, pas mauvais. Bah, en fait, là, je suis dans un groupe, mais je l'ai rejoint vraiment au hasard. Hein. Je connais personne. Ok. Pas de soucis. Pas de problème. Là, je vais aller juste rendre. J'ai 2-3 quêtes à rendre et on se retrouve après. Et on voit selon les niveaux ce qu'on peut faire. Ça serait bien en fait de faire augmenter tout le monde. Ok, bah, bon amusement aussi de votre côté. De toute façon, on regarde le live. Ok, pas de problème. Par contre, moi, juste avant de rendre ça, hop, je vais juste... Je dois juste envoyer un petit message. Heureux, hein. Voilà, c'est fait. Tu les insultes si tu connais personne? Ah oh non, 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 moi j'insulte pas, hein, j'envoie des emotes. non, elle doit les utiliser comme bouclier humain. Bah, tu peux demander à Morden dans ce cas-là. Elle doit voler l'argent. Oui, pareil aussi. Je vole l'argent des pauvres gens.
Et je fais bosser tout le monde pour moi, juste pour me ramener des bons objets, des bonnes armures, des bonnes armes. Me dénicher les bons plans dans les donjons et tout. Alors ensuite, donner le sac. Ok. Je te paie la TP, hein. Comme d'habitude. Hein. On va pas changer les bonnes habitudes. Elle exploitait des enfants dans la saison 1, donc plus rien ne m'étonne. Ah, j'exploitais pas des enfants. C'est eux qui m'exploitaient, tu sais. J'ai failli mourir à cause d'eux. Quoique, est-ce que ici je peux le faire? Il me semble que c'est Guilde des Orfèvres. J'ai vendu un objet à 700K hier. Et après on dit que c'est moi hein, qui vole tout le monde. Et c'était quoi comme objet, hein? 700K quoi. J'ai toujours les preuves tweet et risque. Ah là tu ressors les dossiers. Ouais, composant de craft. Ah ok. Ouh là là, c'est la décadence. Je suis innocente. Sincèrement, je n'ai jamais profité de qui que ce soit. Bon, t'as du bol, je suis sur mon ordi portable que j'utilise pour mes cours, donc j'ai pas le dossier sous la main. Ah, c'est dommage! Comme c'est dommage! Comme si j'allais franchement exploiter des enfants, quoi. Ça se fait pas. C'est pas le genre de la maison, tu sais. Sauf une fois au chalet. Oh, peut-être une fois, quoi, mais bon. C'était rien de grave. On va les rendre la boucle d'oreille. Les enfants dans FF, ça passe visiblement. Ça passe, ça passe. Enfin, ça dépend pourquoi. Alors, si elle exploite les enfants, donc elle exploite le gal. Ah, je fais ça en toute légalité, hein, y a pas de problème. Faire votre rapport à Minfilia.
Ok. Dis le gars, tu vas à time out? Juste pour savoir. Je dis ça, mais j'ai pas encore vu le premier épisode hein, de la saison 8. Hein. C'est honteux. Alors, toi, qu'est-ce que t'as à me donner? Début des travaux. Je suis vraiment pas payé cher, hein. Tu mets un time-out pour 600 secondes, tu peux, hein. Demande-le, je te le donne avec plaisir. T'imagines que tu serais le premier time-out de la chaîne? Ça serait un trophée, hein. Et voilà, je l'ai time out. Bon, pendant 600 secondes, on va dire on est tranquille, hein, entre guillemets. On n'aura pas de spoil, on est bien, hein. 45 messages ont été supprimés par un modérateur. Mais ça, c'est beau. Yukamoon a banni temporairement le Gal 29 pendant 600 secondes. Mais c'est tellement la joie. Attendez, j'ai des trucs, je peux partager.
600 secondes, c'est 10 minutes. Oui, mais moi, c'est par défaut que c'était comme ça. Moi, il y a le truc des bannes quand même. Alors, je teste, hein. Il reconnaît pas la... Le truc, c'est que j'ai banni, je ne sais même pas comment enlever un timeout. Et pourquoi il m'a mis aussi 600 secondes? Attends, je fais des trucs pour te sauver, le gars, tu vois. Voilà, c'est bon, tu peux reposter. Hein. Alors, cela dit, donner le projet d'installation des héritiers au glas des revenants. Ok, on va sortir de là. Si, le bannissement a été levé. A levé le bannissement temporaire de Legal 29. J'avais pas vu, t'es riche en fait. Ah ouais, moi je suis pété de thunes, hein. J'ai pas eu de... Non, j'ai pas eu de quête. Oui, acheter, ça sert à rien. Je ne vais plus à l'hôtel des ventes parce que c'est le diable et je sais que je vais craquer. Donc j'économise. C'est pour ça que j'ai serpillé en fait les donjons pour avoir le stuff. Comme ça, voilà, c'est des économies. Voilà. Là, des revenants. Et du fait, hein, le gars. Comment c'était ce time-out? Comment l'as-tu vécu? Dis-nous tout, ça nous intéresse. Hop, ici. J'ai voulu clipper le mode elle a osé, mais je pouvais même pas clipper. Honteux de clipper ce genre de choses. Ah, tu l'as salement vécu, hein, cordialement. Une pierre à l'édifice. Et toi, tu me donnes combien? Donjon. J'ai pas envie. Alors, Tanalan méridional. Ok. Ouais. Grosso modo, on va encore bien s'embêter. On va prendre celui-là. Alors, je sais pas si c'est le plus près. Oui, salement, et le mot, bien entendu. Bien sûr, je pensais à un autre mot, mais je ne pouvais pas le dire. Je vais laisser le doute planer. Le gars, est relou. Il a pas pris ses médocs, je crois. Est-ce qu'on est loin? Je crois que j'ai pas pris en plus le bon, quoi. C'est pas grave, on va continuer à faire comme si de rien n'était. Non, j'ai juste bouffé trop de JavaScript aujourd'hui. Alors.
Ouais, je me suis complètement gourée de TP. Bah, ça avait le même nom de zone, hein. Voilà. Bon, on n'était pas très loin. On était juste à côté. Mais en sachant que c'est que 10 minutes, bon, ça va, hein. Ouais, ça va, t'as pas non plus fait les 10 minutes, hein. Alors, est-ce que c'est ici? Non, ça a pas l'air d'être là. C'est là-bas. Ça pouvait être pire, oui. Oui, imagine, j'aurais pu mettre 48 heures, j'aurais pu mettre ça genre 3 ans, 3-4 ans. Et ne pas savoir comment enlever un ban. Ou ban life, voilà, ça pouvait être pire. Mais pourtant, j'ai cherché sur internet comment on enlève un ban. Et c'est plutôt bien, hein, d'habitude, je m'embête pas. Hein. Mais je comprends pas que, par contre, par défaut, c'est 600 secondes. En même temps, 600 secondes, après, ça va vite. Hein. Ah, c'est un donjon en plus. Donjon 35. Ah bah ça va. Yep. Bah ouais, je suis obligée, c'est pour l'épopée, donc... obligée de le faire. C'est quoi le temps nécessaire pour report le compte de You de façon argumentée? Cannibalisme, pédophilie, esclavagisme infantile, consommation abusive de bretzel, alcoolémie aggravée, sorcellerie, nudité sur voie publique. Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça. Bon, à part 2-3 trucs que je ne suis pas sûre. Mais alcoolémie aggravée, je pensais pas quoi. Cannibalisme. Est-ce que tu as une preuve de que j'ai mangé mes coéquipiers avant? J'ai loupé pas mal de lives. Ah bah heureusement. Parce que t'aurais pu bien compléter le dossier. Vous voulez un tank pour Insta truc? Bah de toute manière après c'est pareil, il nous faut un tank et le heal donc. C'est un turret tag, quoi. Je peux tank mes flemmes. Reste un petit peu en DPS. Pour le faire popper plus rapidement. Oui, mais si t'es Noctis... voudrais pas te... On va dire te déranger pendant... Parce que... Pendant 10 minutes, quoi, et encore. Je connais pas le donjon, donc je risque de me perdre. De mourir beaucoup. Genre passer une heure sur un donjon. Bon, ça va tag, hein. En moyenne, 10 minutes. Bon, ça va. 10 minutes, c'est le... Ouais, le nombre de minutes, en fait, que le gal aurait dû être banni, en fait. Donc, tu vois, en 10 minutes, on a le temps de tag un donjon. Oh, de rien. On va faire la danse pour invoquer le tag.
et comment s'amuser pendant 10 minutes. Malaise en direct. Non, pas du tout. Après, ça va, il y a pire, hein, comme emote. Tu veux vraiment du malaise, je vais t'en donner, hein. Elle somnole. Moi aussi, je vais somnoler. Mais je suis déçue. Heures sonne le gong. Je vais devoir vous laisser. Bonne fin de soirée et bonne soirée. Ah, merci à toi d'être passé. Bonne soirée aussi. Et à la prochaine, du fait. Tu auras du dos, tu auras du dos. T'inquiète pas. D'ici la fois prochaine, tu verras. Il y aura du changement quand même. Hein. En tout cas, voilà. Ça fait plaisir de... que tu sois passé, le gars. Mais vraiment, très, 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 très plaisir. Bon, et désolé encore pour le ban. Bon, on a trouvé un tank, maintenant il reste plus que un heal. C'est plutôt bien ça. Ah bah voilà. C'est parti pour le donjon. Toi qui voulais pas tank. Bah en fait tu tankes pas, tu vas heal.
Ça donne pas envie. Mais vraiment pas. Je le sens pas, hein, le temple là. Bon, j'ai un peu plus de points de magie, donc ça devrait aller. Donc franchir l'oratoire de Tatami Fou 2. Ok. Ah et après j'ai aussi Garuda. Oh, ça donne pas envie. C'est quoi ça? Un jour un truc, je le prends. Hein. Je crois que le tank il avait aggro un peu beaucoup de mobs et du mal géré. Elles sont quand même sacrément résistantes. Hein. Chauve-souris du temps. Tu m'étonnes. Je crois qu'il y a des statuettes. Peut-être que ça sert à rien, hein, mais bon. On ne sait jamais. Si j'ai pas assez de points de magie. Non mais où? Tu te crois où? Il commence à grogner. Ok. Le pire c'est qu'il monte l'écrou en plus. Il y a vraiment pas honte. La preuve.
oui, je pensais parce que j'ai de glace sur ma tête. Non, ça passe. Retourne dans ta niche. Voilà. Hop. Non, ça m'intéresse pas. Rempart, ok. Serpillière. Bah en fait j'ai eu l'effet glas donc voilà. Serpillière oblige hein. Mais de toute manière, mourir dans un donjon, pour moi ça serait pas normal, tu vois. Faut tout au moins que j'ai une mort. Même débile hein. Faut que j'ai la mort. Sinon voilà, c'est. Bon voilà, c'est pas du jeu quoi. Ça c'est quoi ça? On peut rien faire. Ok. Et il est pas mort, hein. Et ça, personne l'avait vu venir. Voilà, là, il est mort, c'est bon. Ah, c'est pas vrai, il veut pas mourir, celui-là. Genre j'ai rien fait hein. Si tout le monde va dessus, moi je tue aussi hein. Ouais, ouais, sauf que là voilà, il va me taper donc je vais pas dessus hein. Mais pas la peine de feindre la mort. Vous êtes toujours en vie. Je l'avais dit, hein. Non, la cible, elle est pas hors de portée. La cible est vraiment devant moi, quoi. Come get the plate. Ok. Moi pas comprendre, mais moi taper tout le monde. Il y a juste ça à comprendre. Non mais t'imagines, même moi ça j'arrive pas à le comprendre. Il y a vraiment un petit problème. Non, perso je vois des ennemis, je leur tape dessus hein. C'est la base.
Attends. Bah voilà. Mais après, je sais pas où il faut aller, hein. Je suis tout le monde, hein. Ouais, quelqu'un qui s'en va par là, je m'en vais par là, hein. Ah, maintenant, faut descendre. Ça donne pas envie, hein. Je peux vous attendre là, hein, y a pas de problème. Et voilà, il est dead. Donc le suivant. Ah ouais, mais là c'est des gros quoi. Ok, faut taper lui. Voilà, la pierre d'âme se brise. Mais c'est pas mort, il faut continuer. Ça me rappelle un boss, ça. Mais là, t'oublies quoi. Continue à le taper. De toute façon, il n'y a que ça qu'à faire en même temps. Moi, si c'est pas de l'argent, ça m'intéresse pas, hein. Autant le dire. À ce stade-là du jeu, quoi. On nous donne encore que 100 en argent lorsqu'on termine une quête, quoi. C'est honteux. Filez-moi des 500 ou 300, hein. Ça passe record, hein.
Là, avec 100, je peux presque rien acheter. Je l'avais pas vu. Il était caché, embusqué. Hop. Objectif, acheter une maison de rêve. Bah, une maison, ça serait déjà pas mal. Même si je suis très très loin, on va dire, niveau argent. Parce que c'est plus d'un million. Bon, je suis à peu près à un peu plus de la moitié, mais bon. Mais pourquoi pas, ça serait bien aussi, hein. Nouvel objectif pour cette saison-là. Ça serait cool, le plus dur c'est d'avoir un terrain disponible. Et ouais. Y'a personne qui va au coffre à trésor là? Ça m'intéresse pas. C'est tellement pourri qu'il y a personne qui veut. qui veut quoi. Voilà. Peut-être par la suite en acheter une. Dès que j'aurai les moyens, bien sûr. Peut-être durant l'épopée de Shadowbringer, j'aurai beaucoup d'argent. Après, voilà, je veux des voisins assez calmes, tu vois. Oh, il y a un coffre à trésor. Il y a un trésor, les gens. Bah, il y a rien. Ah si. Je vais devoir me réacheter une maison ici, du coup j'ai abandonné la mienne sur l'ancien serveur. Ah mince. Et t'as pas eu un dédommagement niveau argent? Si, mais vu que j'ai arrêté de jouer plus de 6 mois, j'ai tout perdu. Oh mince. Ça par contre, c'est mal foutu. Vas-y, tape-moi quand je te dirai rien. Tape-moi, c'est gratuit. Ça me coûte que des points de vie. J'aurai des screenshots en souvenir au moins, lol.
Non, les seuls screenshots que j'ai en souvenir, c'est ceux de l'auberge. Auberge, taverne. Deux, trois petits screens en ville. Ouais, ça doit pas sortir bon, ça. Bel endroit la taverne, n'est-ce pas? Oh oui! Ça c'est bien, il y a toujours du monde. Mais les gens sont toujours agréables. Non mais toi tu veux quoi? Ok, je peux pas le taper. Moi je veux une maison, tu vois, où est-ce que pas très loin il y a la taverne. Je pense que ça serait déjà un bon début, tu vois. Ou bien faire une petite taverne dans la maison. Le coin buvette, hein, qu'on appellerait ça. Yep, donjon fini. Alors. Oh, ça, j'en ai pas vraiment besoin en même temps. Allez, hop. De toute manière, là, il n'y avait rien à récupérer, hein. Pas. Hein. Ouais, tu vois, un petit bar avec des petites chaises, une bonne bouteille pour quand tes amis viennent, tu fêtes ça. Alors. Oui, et l'orchestrion pour mettre de la musique. Évidemment. Et en plus, là, en parlant d'orchestrion, voilà, tant que j'ai des connaisseurs de FF14, voilà, ici, normalement, on peut aussi débloquer des thèmes de FF15. Le problème, c'est qu'il faut des blocs qui se lootent avec des aléas. Mais quels aléas? C'est des aléas aléatoires qu'on participe ou... C'est vraiment des aléas spécifiques. Je voudrais bien en looter aussi, quoi. L'aléa de FF15.
Bon, c'est pas cher payé, mais bon. Alors, ici c'est fait. Maintenant. Tu fais l'aléa 3, tu peux récupérer toutes les musiques. Alors, l'aléa est dans la zone gare de Ronce Noire. Ok. Détruire les caisses. Ah, là, c'est où ça? Ah ouais, mais toi tu plaisantes pas, toi tu m'envoies vraiment loin quoi. Enfin loin, mais heureusement t'as de la chance, c'est dans la zone. Elle pop rapidement, c'est cool. Ok. Non, c'était juste pour savoir. Parce que j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai absolument rien trouvé quoi. Ah par contre des astuces comment battre le truc de l'aléa, ça je l'ai eu. Le problème étant que moi je me suis pointé, c'était la fin du sa fin de barre de vie, donc j'ai placé quoi un ou deux coups puis c'est tout, l'aléa était terminé. Ah oui, le gros robot là de l'event de FF15, je l'ai pas battu hein. Je suis arrivée, c'était fin de sa vie. Hein. Je l'ai regardé, je lui ai dit bonjour, c'est bon, il était mort quoi. Donc d'un côté je me dis ouais c'était de la chance tu vois, mais après la chance a vite tourné quand j'ai dû affronter Garuda quoi. Ça m'a tellement saoulé. Alors ici. Toi, tu vas pas m'embêter. Merci bien. Non, petit toutou, je veux pas te loquer. Je veux loquer ça. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je pouvais pas le... Ah, c'est ça. Viens là, toi. Ah non, c'est une mascotte. Je pense que c'était un monstre. Détruire les caisses de l'équipement impérial avec des bombes de 24-11. Ok, gros, mais c'est quoi? Je les loot où ça? Peut-être les battre eux, qu'est-ce qu'ils vont m'en donner? Ben, j'ai pas des bombes de 24-11 hein. Les bottes. Si dans ton inventaire. Ah. Je vais zioter ça alors. Alors, hop, je me mets dans la zone. Hop. Inventaire. Bien vu. Merci, merci. On l'a fait avec Noctis quand tout le monde n'avait plus besoin de le faire, alors on était tranquille. Donc là, il n'y a rien. Ouais, ça doit être dans la prochaine zone. Pas du tout galère, MDR. Ah non, 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 c'est pas du tout galère, hein. Alors. Ici. Inventaire. Hop. Voilà, toi, t'as encore fait des bêtises. Pour ne pas changer. Et ici.
Ça, on peut le faire. On va faire le retour à pied. Là, par contre, les portes qui se mettent 3 ans à s'ouvrir, on ne va rien dire. Hein. Parce que c'est pas le genre de la maison. Hein. Alors. Tac, tac. Alors. Hop. Ensuite. Après, on a aussi. Garuda. Garuda, j'aurais bien la faire ce soir aussi. Là, je crois que c'est le mode extrême, hein, c'est pas brutal. C'est au-dessus, corps. Ouais, je pense qu'on va faire ça après. Je veux juste savoir où est-ce que ça va. Ça, oui. Si, si, c'est extrême. En brutal, il me semble qu'on l'avait déjà affronté. Hein. Ouais, normal, brutal, extrême. Ok. Là, je vais prendre la prochaine quête épopée. Et pour les raids, c'est normal, puis sadique. caravanier en détresse. Parler aussi de radeau de la calebasse. Ça, il me semble. Voilà. Parce qu'il y a encore des quêtes que je peux aller faire ça seul en off. De toute manière, cette semaine. Demain et après-demain, c'est du Resident Evil. Jeudi, c'est repos, pas de stream. Vendredi on termine RE et après ben, samedi on se remet à FF14. Ça va être bien. Ça va être bien. Surtout que là que je me suis fait spoiler un petit peu beaucoup de choses sur la TL sur Twitter. Ne jamais aller sur Twitter lorsque vous faites un jeu ou que vous regardez une série. C'est la base. Ça va être là sur le 5, du fait. Ah oui, le spoil, que ce soit sur, sur les séries comme sur les jeux. Là, on m'a montré tout le combat contre Shiva, quoi. Alors, donc, bon. Quand j'ai vu le début, j'ai tout de suite arrêté. Mais je me suis dit, ah ouais, mais quand même, quoi, les gens. Prévenez-moi. Que je vais passer par l'autre côté, ça ira beaucoup plus vite. Sens de l'orientation zéro, bonjour. Hop. Après, je vois pas qu'est-ce que t'as de plus à spoiler, quoi. Tu peux juste embêter le monde, quoi. Alors, ici. Récupérer les marchandises.
Ah bah, non, non, tu vas pas t'arrêter. Hop, tu vas faire ça. Et tu vas taper tout le monde. Non, mais c'est totalement ça, quoi. Je vois pas ce que t'as de plus à spoiler. Mis à part embêter le monde, quoi. Mais après, à dire, bah oui, mais je suis victime, on m'insulte et tout. Bah oui, mais gros, respecte un peu les gens, quoi. Alors ici on a quoi? On a une marchandise. Tu permets, je récupère la marchandise et après je m'occupe de toi. Ok. Bon, ok. Je me serai occupée de toi. Bonsoir à Pouchoupou. J'espère que tu vas bien. Alors ici on a encore quoi? On a encore une personne à trouver. Où te caches-tu? Balek. Ah, tout en haut. Je te vois, foutue marchandise. Ça va, mis à part que j'ai chopé le combo, c'est-à-dire une grippe plus un rhume. Ma vie est pathétique. Mais sinon, ça va. Alors, on va pouvoir descendre en bas maintenant. Ah ouais, le bon combo des familles, quoi. Tant c'est pas faute de prendre des cachets. Mettre des gouttes et tout. Mais clairement, c'est infect. Il pleut bien comme d'hab. Oui, bah, on l'a toujours dit, hein. Un stream sans pluie, c'est pas vraiment un stream, hein. Bah, je viens de sortir d'une bronchite après 2 semaines de souffrance. Ah ouais, pas de chance non plus. Alors là, je vais faire mon rapport à qui? Où se trouve-t-il? Mais gros, si tu me dirais où tu te trouves, je pourrais peut-être aller faire mon rapport. Ok. Autant la grippe, je peux encore supporter. Mais le rhume, c'est infect. Surtout la nuit. Et ici, il me semble qu'en plus que j'ai des donjons à récupérer. J'ai des quêtes bleues. Hop. Bah, les quêtes bleues sont transformées. C'est juste à côté de la quête épopée. Attends, je vais la prendre après, je vais aller voir d'abord ce qu'on me dit en quête bleue, ce qu'il y a. Donc c'est aussi corps des donjons ça. Alors. Profanateur de Karn. Ok, on va prendre.
ça peut servir. Ça, je l'ai pas encore. Ça, il faut quoi? Le château d'âme d'apport, je l'ai pas encore fait. Carnant brutal. La balade des vainqueurs des méandres. Alors ça, franchement, je le sens mal, hein, le truc là. C'est peut-être un bon donjon, hein, un bon raid. Hein. Genre un aléa ici. Raid sadique. Ah oui, et après c'était ici. Pour le moment, on n'a pas l'impression que tu parles du nez, donc ça va encore. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression justement que je parle beaucoup du nez et ça me tape sur les nerfs. C'est juste un raid de 24. Oh bah ça va. Et si tu veux un coup de main pour les donjons, n'hésite pas. Bah, pas de problème. Alors ici, il y a aussi une quête épopée à reprendre. Histoire d'avancer aussi en parallèle. Devoir de solidarité. Ah mais toi, vu le pécule que tu me donnes, à mon avis, ça va quand même être un truc bien relou. Éliminer des morboles. Ok, c'est parti. Oh, elle danse bien. Allez, on va éliminer ça. Bientôt un gain de niveau, hein, mine de rien. Alors, vaincre des morboles. Pire monstre ever, quoi. Ils sont moches, ils sont chiants, ils font mal. Franchement. Je confirme. Et quand tu te prends là-haut. Ah, ne m'en parle même pas. Je veux même pas savoir, tu vois. Ça donne pas envie. Et il pue la gueule, c'est clair. Et voilà, on peut repartir.
Mais ça, le pire, c'est qu'on les voit régulièrement dans les Final Fantasy. Hein. Avec leur attaque puanteur, là. Ça nous mettait mal, hein. Je pense que c'est les monstres que je redoutais le plus dans le 8. Ça et le T-Rex. Enfin, le T-Rex, quand t'avais Shiva, c'était bon, quoi. Ah, mais les morboles. Après, je suis pas songé le prix, quoi. Je prends ça pour changer. Hop. Enfoncer le clou, bien sûr. Non, mais tu m'as pris pour quoi Ok. C'est plus vite les griffons, je n'y vais pas dans FF8. Ah, les griffons, ça allait corps. Mais le pire, c'était le T-Rex et les morboles. Hein. Quand t'allais sur. Bah, l'île de l'enfer. L'île de l'enfer, là, non, c'était quand gentil. Hein. C'est l'île paradisiaque ou l'île du paradis, je sais plus comment ça s'appelait. Là aussi, tu avais des gros mobs. Là. Niveau XP, ça ramenait pas mal. Voilà, l'île du paradis. Oh. J'ai chetu. Ça va, j'ai rien. J'ai juste deux pieds cassés. Voilà. Là, je vais chuter, hein, c'est fait exprès. Mais j'aimerais trop revoir FF8 arriver, franchement, sur PS4. Après tout, on a eu le 7 et le 9. Quoi. Vous pouvez pas mettre le 8? Ça serait vraiment bien. Zéro fun, mon Garuda est dit là. Je vais partir de là vu que. Quoi, il veut se friter là. Non, mais tu te crois où? Là, quoi. Tu dégages. J'avais pas le courage de revenir en arrière, en fait. Hop, c'est bon. C'est bon, après t'as fini. Ok. Refuge des sables. Oui, une dernière fois. Hein. On y retourne une dernière fois. On aura pu venir ici. De toute façon, c'était à quoi pourri, il n'y avait pas d'éthérite.
Rapin. Non, mais il m'a pris pourquoi? Pour Chronopost? Comment ça se passe? Récupérer des colis, quoi. J'ai pas que ça qu'à faire, moi. Fallait regarder les petites lignes quand t'as signé pour être guerrière de la lumière. Bah j'ai pas eu de contrat, hein. On m'a dit voilà t'es guerrière de la lumière, point barre quoi, t'as pas ton mot à dire. Livresse de pommes de terre, tomates, etc. Ah bon, on cumule hein. Ils sont je ne sais combien, et comme par hasard ça tombe toujours sur nous. Genre, je vais porter ça, quoi. Tu fais toucher les héritiers. Tu m'étonnes. Et je suis mal payée, hein. Faut le dire aussi, hein. Je suis plutôt exploitée. Alors, hop. Et je gagne une mascotte. Oh, ça c'est bien ça. C'est bien de faire des quêtes hein, comme ça. Voilà, on peut l'aider à la mine dépitée. Mais quand on aime, ça, on ne compte pas. C'est vrai, c'est ce que je me dis à chaque fois que je vais sur le kiosque Mog. Voilà. Alors, au camp de la tête du dragon. Ok, ça je crois que je l'ai. Voilà. Je l'ai, donc c'est bon. Oui, c'est plutôt pas mal. Une petite mascotte de plus gratuite. Alors, ça doit être là.
Ouais. C'est ici. C'est toujours comme ça, hein. Quand on veut quelque chose, ils n'ont jamais rien en stock. Bien sûr, on va le faire nous-mêmes, hein. Sud-ouest du camp. Elle est tellement stylée. Allez, c'est parti. Sud-ouest. Oh, il neige, ça va, ça change. Il ne pleut pas. Bon, même si on ne voit absolument rien sur l'écran, mais bon. C'est bien aussi, hein. Alors, c'est loin quand même. À moins que c'est moi qui ai pas pris la bonne route. Non, c'est bon, c'est droit devant. Alors, ici, ensuite, oh bah ça va, c'est pas très loin. On a fait le plus long. Il est où? Il est corrompu. Il va être attaqué. Quelqu'un est en train de le grignoter. Ah ouais. Effectivement. Je peux pas m'embêter longtemps. Voilà. Hop, le deuxième. Ah, bon. C'est pas encore fait. Non, c'est pas moi ça. Moi, je l'ai récupéré mon truc. Non, il n'y a pas de problème. Et le dernier se trouve là-bas, droit devant. Bon, on va devoir encore affronter des monstres. Parce qu'il est corrompu. Ok. Si t'es sur l'objet, ça va pas aller.
Oui, mais moi je veux pas que tu vises le truc, voilà, tu vises le monstre. Ok. Foutu ciblage, hein. Alors. C'est bon. On va s'éloigner. Bah, ok. On va les affronter. Ils seront contents. Voilà. Hop. Ah non, c'était pas là. Je me suis gouré de TP. Hein. C'est pas grave. J'ai cru qu'il fallait retourner pour lui donner, mais non. Faut retourner directement au refuge des sables. Ok. C'est pas grave, c'est moi qui paye. Oh, ne boude pas. Ne boude surtout pas. Sans je pleurer. Tu vas me faire culpabiliser. Alors. Quoique c'est loin. Hop. Prends ta voiture un peu. C'est vrai. Je pourrais la prendre. Monture. C'est vrai, j'ai assez galéré hein, pour l'avoir. On peut rouler sur des gens, c'est bien aussi. 10 points. Oh, la meilleure passe, c'est vrai. T'as mis ta ceinture de sécurité au moins. Elle me déconcentre, hein, c'est pas bon. Hein. Je peux avoir un accident. Hein. Je vous jure, intenable. Hein. Tu vas prendre tes feuilles de thé. Tu seras un peu plus calme. Ah oui, c'est une enfant, hein, c'est une grande enfant. Alors, que s'est-il passé? Ok, on va avoir Minfilia. Un nouveau primordial. Bah oui, on avait prévu ça pour la soirée. Serpiller devant un nouveau primordial.
Bon, bah, on va débloquer des quêtes pour un petit peu les primordiaux. Ça va être pas mal. On a déjà Garuda en extrême, déjà. Là, on va la Gridania pour débloquer sûrement Odin, Brutal et réaffronter Garuda. En tout cas, voilà, elle est assez collante, Garuda, quand même. Elle est tenace, hein. Odin est disponible qu'en normal. Ah ok. Ah parce que là, comme ils ont parlé de Odin une nouvelle fois qu'il vient, je supposais que c'était en brutal. C'est une bille. Je veux dire, ouais, elle est tenace. Oui, moi aussi, j'aurais employé un autre mot, mais bon. On est quand même poli. Parce que sérieusement, Garuda, moi, me les gonfle, hein. Alors, ça prête à vous faire une révélation de la plus haute importance. Ok. Alors, aller à l'hôtel. Ça doit être par là. Alors, cher du Solus, du Lotus. Ok, bah il y a déjà du monde.
À mon avis, c'est la quête où on va devoir aller affronter le roi des Mogs, là, avec la musique assez épique qu'il y a dans l'OST, il me semble. Ça va être bien, on va se faire dérouiller par un Mog. Et il pleut encore. Alors, c'est ici. Temple de la Sérénité. Alors, hop, ici c'est bon. Et toi, c'est parti. Ah oui, meilleur primordial, c'est sûr. Ah, vous êtes de retour. Attendez, moi, il faut que je me mette un peu plus loin, non? Hop. Oui. Je veux faire une emote, mais ça marche pas. Ah si. Quand même, hein. Même, hein. On fait pas de jaloux hein, ici, hein. Allez, hop, j'ai récupéré la quête. Ah, bien sûr, je vais le faire, t'inquiète. Ça va aller. Ah, on passe par là. Et voilà, vous faites le petit coucou, on va dire normal. Allez, donne-moi le donjon. La cité des enfers perdus. Ça donne envie, hein. Ah, rien que le titre, hein. Ça annonce, tu vois, ça annonce la couleur. En fait, tu mets juste le combat du Mog. Plus la chanson du Gold Saucer de FF7. Et là, t'as le combo parfait. Mais juste un donjon avec cette musique, franchement, je me flingue. Ça serait affreux, quoi. Une torture auditive. C'est horrible. Alors pourquoi tu veux pas me le donner? Protéger la forêt, pourquoi je peux pas? Job requis élémentaire. Tu plaisantes? J'ai été. Non, je dois pas être. Oh ouais, c'est peut-être une quête de classe. Alors, grand descente tranquille. Ça, c'est pour être mage blanc. Genre le truc, tu vois, que je devrais faire un jour. Mage blanc. C'est moche. Qui est-ce qui a le niveau pour faire le grosso modo la quête? Quand descendre tranquille. Allez, notre petite, on a du boulot nous. Elle stream hack. Bah vous êtes arrivé où avec Noctis?
Il fait pas beau, hein? Bientôt au donjon level 28, manoir des Hawks. Ah, bon courage! J'ai réussi à me perdre dans le manoir. Nouveau donjon. Alors. Ah, t'as ressorti Bubraise. Ça, c'est le plus stylé. Hein. Alors. En fait, dans le manoir, je me suis pas vraiment perdue. Hein. C'est juste le. Il y a un moment, il faut utiliser le rapatriement pour revenir à l'entrée. Et moi ça, j'avais pas du tout calculé quoi. C'est juste ça, sinon ça a été. Bon, le donjon en soi, ça va. Ah oui, quand il sait que tu peux pas deviner si on te le dit pas. Ah moi on me l'avait pas dit, hein. Moi je vois tout le monde se... Je vois tout le monde de disparaître. Je sais pas, bah, qu'est-ce qu'ils font? Et après, c'est dans le chat, m'a dit « Utilise rapatriement !» Je me sers de mes montures comme jukebox. Ça, c'est pas mal. Et après, j'ai aussi une autre quête. Alors ça, c'est pas vraiment une quête épopée. Hein. Je le ferai plus tard. Jeter de la rive est. Quelle zone? Oh, moi, je vais faire le mog. Hein. Nouvelle Gridania. Hop. Ah, moi, je vais faire le mog. Hein. Moi, pas le temps pour ces conneries-là, hein. Ça, c'est vraiment pas de mon niveau, hein. Et en fait, moi, c'est juste le fait, en fait, de pas savoir qu'on pouvait utiliser rapatriement pour revenir au point de départ. Mais sinon, voilà, quoi, le donjon, ça a été. Pour moi, le pire donjon, ça a été le labyrinthe de Bahamut. Ah, pire donjon ever, hein, le truc. Il y a trop de monstres. Je suis trop faible. Alors, rive est.
Il me semble même que en fait j'ai un TP pour la rive est. Ah, de toute manière, il faut aller jeter de la rivière, donc. Non, on ne regarde pas le tableau du diable. On évite. On passe juste devant, on le regarde pas, on l'ignore. Voilà. Oui, ça n'a pas dû être pareil comme expérience, je peux comprendre. Je pense que si j'aurais fait le coup là, on va dire en 2013 sur PS3 quand je venais de sortir, je m'aurais fait allumer comme si c'était pas possible. Hein. Mais vraiment bien allumé, genre bien insulté, bien sale. Tandis que là, non, ça va, on dit juste return, c'est bon. Bon, après, c'est vrai que comme quand t'es en découverte, c'est pas la même chose. Hein. Alors, jeter au bouquet, ok. Oh, les gros mogs. Oh, je les adore. Oh, ils sont en train de sermonner le petit. C'est honteux, ils sont trois et il est tout seul. Il voulait tuer le coupeau. C'est pas bien ça. C'est des choses innocentes. Ils ont toujours été réglo. N'empêche, il viendra disparaître. C'est qui va livrer le courrier? Hein? Alors, escorter couple au cop jusqu'à l'endroit indiqué. Ah bah ok. Tout le monde sait que j'adore les missions d'escorte. Bah la poste. Oui, mais bon, c'est pas pareil. Moi, j'aime bien voir le petit mog. Toi, je te sens pas. Toi, tu vas le taper. Voilà. Non, mais oh. Tu touches pas à mo hein, mon petit mog, hein? Hop. Pas trop que je m'éloigne de lui. Ah, je dois aller où? Ok. Bah là, il y a beaucoup de monstres. On va nettoyer la zone. Je peux le heal. Ah ok, cool. Voilà, même les écureuils, ils veulent le frapper, ils veulent le bouffer. Regardez-moi ça. C'est honteux.
Ils sont maléfiques. Voilà. Massif des ronces. Ça se fait pas de s'en prendre à un petit mob comme ça en plus. Il est gentil, il est serviable, voilà. Et puis en plus toi tu le tapes par derrière. Oh bah bravo. T'inquiète pas, tu vas pas mourir. T'as encore plus de 90% de ta vie. Voilà. Par contre toi je te sens pas, toi t'es trop. Toi t'es... je sais pas. T'es pas clean. Toi non plus. J'aurais peut-être dû acheter la tenue du Mog sur le kiosque, juste pour le supporter. Il faut faire attention au level 50, tu peux laisser les autres. Ah ok, hop. Ah bah tiens, ça score des monstres du bestiaire en bas. Ah pourquoi tu fais pas ton sort? Ah ok. Ciblage à la mouise. Voilà, toi tu dégages, c'est bon. On y est presque. Ouais, par contre ça je vais les flinguer parce que ça fait partie du bestiaire. Hop. Attends, j'ai encore deux monstres du bestiaire à dérouiller, j'arrive. Ah bah ça y est. Voilà. Allez hop. Ouf, nous sommes arrivés, Coupeau. Tout danger est écarté. Vous n'avez plus besoin de m'escorter maintenant. Je vais m'occuper de la barrière magique. Coupeau. Oui, c'est gentil. Directement brutal, hein. Ça ne rigole pas. Que
Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Hop. Mais normalement, j'avais pas eu un nouveau truc. Pas perdre mon inventaire personnage. Qui donnait un bonus de. Non, j'ai dû rêver. Voilà, jusqu'au level 70, points d'expérience gagnés plus 30%. Je me disais bien. Parce qu'en fait, sur PS4, on peut récupérer une. Du moins, quand on a précommandé la version collector de Shadowbringer sur PS4 au format des maths. On a accès déjà à une mascotte et l'objet là jusque 30% déjà disponible. Après les l'autre mascotte, la monture, puis encore un autre truc, faudra attendre la sortie du jeu. À moins qu'on ait accès directement dès le 28 avec l'accès anticipé. À voir. Je me prendrai l'extension quand mes paiements du mois seront tous passés, lol. Ben, moi, le truc Shadowbringer, c'était ma petite folie du mois. Ça, et puis, bon, ok, et puis le kiosque Mog, mais bon, le kiosque Mog, c'est du surplus. C'est le bonus, ça. Ouais. Ça et la mascotte là. Elle est où? Bébé Grimlims. Juste la monture là. Par contre, ici on la voit pas très bien. Genre ça, quoi. Bah, c'est mignon, hein, mais bon, c'est moche quand même, quoi. C'est un côté assez. Là, il te regarde, il est en train de te dire, je vais te bouffer, tu vois. Le gars, il est mignon, hein. Oh. Oui, voilà, c'est la bébête du trailer. Elle est mignonne, hein, mais elle fait peur, quoi. Avec sa petite patoune, là. Ah, je vais pas jouer en mode souris manette. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, je veux pas moi jouer en mode souris manette. Qu'est-ce que tu m'as encore fait? Moi je veux pas jouer à souris, hein. Qu'on soit clair. J'ai un souci, ça, comment je l'enlève? Mode souris manette. Ah non, je veux pas jouer mode souris manette.
L1, R3. Ah ouais. Bien vu. Bien vu, bien vu. Par contre, la caméra est un peu trop proche. Voilà. D'où tu mets un mode souris quand il n'y a pas de souris de connecter sur la PlayStation. Ah, je vous jure. C'était marqué au milieu de l'écran, mais bon. Ah, je pensais que c'était seulement clic droit, L2, et puis... un truc que j'ai pas fait attention. C'est bon à savoir. En même temps, faut pas m'en vouloir. Hein. Aveugle man. Hein. C'est connu. Y a personne qui veut tag là le meilleur truc là. Délai d'attente 11 minutes, ça va. Il y a pire. Ah, genre attendre 1 heure et demie pour tag un donjon, hein? Il y a pire, hein?
Ça va, on a trouvé deux personnes. C'est tellement beau ça, franchement. Déjà plus de mog, de mob. Ah, si, regarde, il y en a un juste là. Enfin, il y avait. Là, il n'y a plus de mog. De mob. J'en ai une bonne avec des mog. On s'occupe comme on peut, hein. C'est quoi de ça? Qu'est-ce que t'as encore fait? Ah, c'est ton bazar là, ton compagnon. Je pensais que c'était un monstre rare. J'allais dire, il y a un monstre rare qui est apparu dans la zone. Là, je crois que c'est mort pour le donjon, quoi.
Ah là là. Sinon, on enlève ça et puis on y va, hein. C'est parti, hein. Si on n'arrive pas à tag là, on tentera d'aller taguer le l'éthérite de Garuda en. Il me semble que c'est en extrême. On essaiera ça. Bah ouais. Moi aussi. J'aurais bien voulu le faire. Mais bon, comme on n'arrive pas à le tag. Alors, c'est. Ah bah. On a réussi. Hourra! Même si ça serait plus marrant en synchro. Bah tu m'étonnes. Alors toi, tu vas te fermer. Moi je parie qu'il va y avoir les autres embêtants. Je vais essayer de faire le moins de dégâts possible. Après, il y aura les autres petits mobs qui vont sûrement venir nous embêter. Oh, vengez-moi. Pas lui, je le sens pas. Tu vois, il a volé mon chapeau. Il va me le rendre. Ouais, par contre, ça sent pas bon. Il a sonné la cloche, on va en avoir d'autres. À nous le fun du manoir. Vous avez eu de la chance si ça a tagué rapidement. J'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Gloire au roi Mog.
Ok, c'est parti. Ah, voilà la musique. Tu dégages. Non, je viendrai pas ici. Voilà, ils commencent à être un petit peu nombreux, hein. Pour le moment, ça va. Mais c'est un petit peu galère, hein. J'en l'aurais fait plus vite en synchronisé. Tank et healer, ouais, c'est instant. Ah ouais. Alors, hop. Voilà. Donc là, c'est fait. Je vais couper le stream et je le relance, hein. C'est juste pour avoir une VOD pas trop longue.